Salut les joueurs! Aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte qui s'appelle Final Torch, édité par Space Cowboy, dont l'auteur est Mike Elliott. Cette boîte se joue entre 2 à 4 joueurs et dure généralement en partie 15 ou 20 minutes. C'est débutant. Voici l'intérieur de la boîte. Nous avons 2 types de cartes. Alors, les cartes d'œuvre en cours de réalisation est terminée. Là, c'est la seconde. Et les cartes peinture, celles que vont avoir les joueurs en main. Il y en a de différentes couleurs. Voilà. Alors, voici l'œuvre en cours. Celle-là rapporte 12 points. J'aimerais l'améliorer. Je vais mettre du bleu, du rose, du vert et du marron. Je n'oublie pas de retoucher mes cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est à Tigrou de jouer. Ah, mais Tigrou, il n'a d'autre choix que de gribouiller l'or puisque les couleurs sont déjà là. Donc, Tigrou va gribouiller. Au bout du troisième gribouillage, l'œuvre est gâchée. Donc, elle ne rapportera que 6 points. Ici, l'œuvre est améliorée. Comme c'est moi qui me posais la dernière carte, je rapporte 12 points. Léopoldine, je te vois souvent jouer avec ce jeu en ce moment. Dis-moi, pourquoi ce jeu tu l'aimes? C'est très très simple. Premièrement, parce que les cartes, les dessins sont très très rigolos. Le monsieur, un des peintres, renverse une toile sur un autre peintre, donc ça se voit qu'ils se font un petit peu la guerre. J'aime beaucoup les couleurs et franchement, il y en a plein. Et aussi, c'est un jeu très sympa à jouer en famille. D'accord, merci Léopoldine. Allez, salut les joueurs! Salut!